blessé? Ouais. Merci. Moi j'ai faim. Moi aussi, j'ai le droit de se recueillir un peu sur la tombe de Madès Ronce quand même. Non, mais c'est vrai, 10 minutes sur la tombe de Madès Ronce, je peux pas avoir le problème. J'ai une demi-heure qu'hier. Tu vois, c'est bon, Thierry. Ça va. Quand je suis sur la tombe de Jacques Pilon, je reste 10 minutes et puis je me casse. Qui Jacques Pilon? Jacques Pilon. Jacques Pilon. Mais c'est le conseiller de Mitterrand. Tu connais pas Jacques Pilon? Tu connais pas Jacques Pilon, toi? Non, mais ça va. Si ça continue, ça va fermer le resto. Là, on a déconné, c'est qu'on aurait dû amener un petit pool de photographes, tu vois. C'est quand même intéressant. Pourquoi n'y a pas pensé à ça? Noémie? Non, mais ça, il fait quoi, là? Il lui parle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il ne parle pas. Il prie. Quand tu pries, t'as les lèvres qui bougent un peu. Non, il parle. Non, il lui parle. J'entends des trucs. Il lui parle, Thierry. Ouais, mais... Je sais que ma compagne ne vous plaît pas. Il y a la télé, il y a les journaux. Mais je sais. Bien. Qu'est-ce que tu fais, là? Excusez-moi. Je parle avec Pierre Madès Ronce. Ah, tu parles avec Pierre Madès Ronce? Oui. C'est super intéressant ce qu'il me raconte. Mmh. Il tient un regard, mais tu sais, le regard de l'homme qui a du recul, quoi. Mais Pierre, c'est vrai. Mais évidemment. Et vous avez le recul par nature, forcément. Vous avez le grand recul de l'homme mort qui voit aujourd'hui ses vivants se dépatouiller. Mais en même temps, c'est formidable que vous arriviez à me transmettre ça. De quoi on parle? Oui. Et bien là, on parlait de mes meetings. Chanter ou pas la Marseillaise à la fin des meetings. Mais on en a parlé ensemble. Mais... Vous en avez parlé avec nous. Vous n'êtes pas d'accord avec les décisions qu'on a prises ensemble? Mais c'est pas antinomique. Qu'est-ce qu'il dit, Madès Ronce? Madès Ronce, il pense que... De pas chanter la Marseillaise à la fin des meetings d'une campagne présidentielle, c'est une vraie connerie, quoi, c'est tout. Je peux pas lui parler, moi, Pierre, je le connais pas. Non, mais il y a plein de choses à te dire à toi, personnellement. Bah oui, mais je... Non, on se connaît pas. Écoutez, ça fait 6 mois qu'on est en campagne avec Pierre, je regrette. Pour moi, la Marseillaise, c'est pas une bonne idée. Je vois pas Pierre chanter la Marseillaise à la fin des meetings. On a décidé que c'était pas bon. Vous n'avez jamais rien compris à Pierre, ni à la communication, ni au meeting, ni à la Marseillaise. Vous n'êtes rien. C'est lui qui parle. Après, me dis pas à moi. Il me dit grosse merde, là. Ah bah... Non, mais où on va Grosse merde toi-même, là-bas, on se connaît pas. Rien compris la communication. Vous abîmez Pierre. Vous lui avez fait un mal fou dans cette campagne. Attendez, laisse-le terminer. Votre façon de voir la communication politique est une négation totale de la politique elle-même. Bon, il parle d'un truc. Avec notre équipe, ça fait 6 mois qu'on s'occupe de Pierre, d'accord? Alors maintenant, que de lui dire du jour au lendemain qu'il faut qu'il jante la Marseillaise à la fin des meetings, je regrette. Non, stop. On a décidé que non. Qu'il chantait pas la Marseillaise. Ah non, on l'a dit. Voilà, alors voilà. Non, mais il veut pas l'entendre. Il doit Qui chanter la Marseillaise. Bah, Pierre. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il me dit? Il est là, il me dit bonne soirée. Mais non, ce qu'il me dit, c'est complètement... Il s'en veut de... S'il me dit, c'est quand même un pauvre gars qui a une petite entreprise... Mais je t'emmerde, je suis pas un pauvre gars qui a une petite entreprise, je regrette. Il pense pas ce qu'il dit. Je t'emmerde. C'est que de la merde. Ah, il dit ça, là? C'est que de la merde, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Ouais. Depuis le début, vous êtes des merdes. C'est Pierre qui parle, c'est Pierre. Hein. C'est Pierre, on arrête là. La merde! Vous êtes la merde! Vous voulez que je vous rappelle pourquoi vous n'êtes pas resté au pouvoir? Non, lui rappelle pas. Ouais. Ah, bah si, je vais rappeler. Lui. Mais je vous rappelle vos erreurs de communication à vous! Putain, mais on va le crever, ce mec! Arrêtez! On va le crever, le vieux! Je te jure, je descends! Je vais te niquer! Je vais te bouffer! Hein? Ma défense de merde, je t'emmerde! T'as bois le malin, là, hein? Hein? D'accord. Alors. Oh, il pue de la gueule! Il est mort. Alors.